m'appelle Sophie. Je suis gérante, chef au Café des Bons Vivants à Sainte-Adèle. Ma première expérience en restauration, j'ai travaillé dans un petit café, c'est drôle. Ça fait 10 ans déjà. Donc, j'ai travaillé zone marché gourmet à Saint-Sauveur dans le temps. Puis c'est ça, ça a été ma première expérience en restauration. Ensuite de ça, j'ai commencé mon cours, mon DEP en cuisine à Sainte-Adèle. Puis ensuite de ça, c'est ça, j'ai continué dans ce rythme-là. Puis ensuite de ça, j'ai fait un cours en gestion de restauration aussi au Cégep de Saint-Jérôme. Donc ça fait 7 ans là, déjà. Ce que j'aime de la restauration, c'est que ça bouge. C'est toujours quelque chose de nouveau. C'est jamais redondant. Oui, il y a des petites choses qui se répètent, mais je pense que d'être dans l'action, de jamais voir le temps passer, puis de pouvoir faire plaisir aux gens aussi, c'est un petit plaisir qui me fait du bien. Je ne sais pas si vous connaissez Marc Hervieux, chanteur d'opéra. C'est une personne qui est assez grandiose là, dans ses idées. Et puis, pendant la pandémie, ce qui est arrivé, c'est qu'il était en Abitibi, seul. Il attendait un spectacle dans sa chambre d'hôtel. Puis, il regardait sur Internet les bâtisses à vendre dans le coin de Sainte-Adèle. Puis, il a décidé vraiment juste de se lancer, d'ouvrir un café, finalement. Marc habite à Moronite depuis quelques années déjà. Il a toujours été en amour avec les Laurentides. Donc, pour lui, c'est important de faire quelque chose pour sa communauté. Moi, avant, j'ai travaillé au Maestro. J'ai travaillé 7 ans au Maestro. J'ai été 3 ans chef là. Puis, je suis pas partie du Maestro pour venir ici, mais ça a bien à donner en termes de temps là. Je suis sûre qu'on s'est installé avant l'ouverture avec Marc. On a regardé, on s'est lancé des idées. On est vraiment avec le Yann aussi, sa fille qui est mon bras droit dans l'histoire. Et puis, c'est ça, on s'est assis un soir, puis on se garochait des idées. On voulait que ce soit des bons produits, encore une fois simples, mais que ça sorte un peu de l'ordinaire aussi. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que dès que le client franchit la porte, se sente bien, se sente accueilli, se sente comme chez eux. On prépare de la nourriture, puis on leur fait un bon café. On reste classique ici, côté café. Donc, on se promène pas à travers les différents saveurs de café. On reste classique, un bon café que les gens apprécient. Pour ce qu'on fait à la minute, je te dirais un 5 minutes. De la prise de commande jusqu'à la réception. Alors, on a une tartine à l'avocat en commande. On fait l'œuf miroir. Ce que les gens aiment aussi, rajouter un petit peu de fromage de chèvre dessus en extra. Ça vient rajouter vraiment un crémeux, un petit côté le fun. Marc aime bien ça. Donc c'est ça, on commence avec un pain qui vient du caveau. C'est important pour nous d'aller chercher une boulangerie du coin. Et puis, c'est ça, le caveau était prêt à embarquer avec nous dans le projet. Alors, la tartine à l'avocat. Après avoir bien toasté le pain, mets du beurre. Tomates confites. On fait au four avec herbes fraîches qu'on vient écraser sur le pain. Avocat. L'œuf miroir. Assaisonnement à bagel. Ensuite de ça, on met de la petite roquette fraîcheur. On finit ça avec un petit réduit balsamique maison. Ce que j'ai appris en restauration, il faut toujours tailler un pas d'avance sur pas mal tout. Fait que c'est vraiment de prévoir, c'est de jamais manquer de rien. Toujours avoir des backups de tout. Parce qu'on ne sait jamais quand il y a une gang qui arrive et qu'ils veulent manger. On veut vraiment qu'ils soient satisfaits et qu'on manque de rien. On voulait vraiment offrir quand même une bonne gamme de produits
que les gens vont se sentir bien à manger. Le maple spread, on voulait vraiment quelque chose qui rappelle à l'enfance. C'est de faire quelque chose avec un produit d'érable, que ça sorte un peu de l'ordinaire. Donc, une tartinade à l'érable, style maple spread, comme on le mangeait quand on était plus jeune. Puis le croton de ma mère Rosa, c'est le croton de la mère à Marc, qui se retrouve aussi dans son livre, parce que Marc a fait deux livres de recettes pendant la pandémie. Et puis, sa recette de croton, là, elle est délicieuse. Et puis, ça rappelle aussi encore des souvenirs d'enfance avec Marc, sa famille. Et puis, c'est important pour lui de partager ça avec le public. Mais à la base aussi, je voulais que ce soit facile, ce soit simple, parce que tous nos employés, depuis l'ouverture, n'ont aucune base en restauration, donc aucune expérience. Donc pour moi, c'était super facile de pouvoir inventer des trucs, puis d'aller vraiment au-delà de plusieurs plats. Mais je voulais vraiment rester ça simple, garder quelque chose que tout le monde pouvait exécuter en cuisine, puis que ça soit pas trop compliqué non plus, là. Mais ça fait en sorte qu'on a une belle équipe qui se complète, on a des belles discussions, on peut parler avec eux, sont super à l'écoute. Donc c'est vraiment ça, je trouve, c'est léger, c'est pas stressant, puis on y va un client à la fois, puis les gens sont contents aussi, même s'ils attendent. Des fois, cet été, ça a été difficile, là. Il y avait des files de gens jusqu'à dehors. Donc, je pense que les gens, ils appréciaient ce qu'on leur offrait. En restauration, je pense que c'est la gestion personnelle. C'est quelque chose qui paraît pas là, à vue d'œil, mais c'est vraiment quelque chose qui va prendre à peu près 80% de ton énergie. Surtout avec la pandémie, avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, c'est difficile d'avoir des bons employés. C'est difficile d'avoir des employés fiables, avec des bonnes qualités, puis qui sont motivés à travailler aussi, là. Donc, je te dirais que c'est ça, là. Mon plus grand défi jusqu'à maintenant en restauration, c'est ça. Je pense de garder aussi, d'être original, de savoir se démarquer, parce qu'il y a de plus en plus de restaurants, il y a de plus en plus de restaurateurs qui se partent en affaires. C'est merveilleux, mais il faut vraiment être capable de se démarquer avec différents points de repère. Alors, la brioche dorée, un bon classique pour déjeuner. Nos clients adorent ça. On a un bon pain brioché, encore une fois, du caveau. Je suis en train de perdre ma tablette. Alors, deux bonnes tranches de pain brioché, un petit mix pain doré classique avec un petit peu de cannelle qu'on vient imbiber. Une fois sur 8, il marche pas. Un peu de beurre. Toujours du beurre. Ça, le matin, je dirais qu'on en passe une bonne dizaine. Parce que les clients, le samedi matin, ils veulent se gâter. C'est un bon petit déjeuner sucré pour nos fans. Alors, pain doré. Là, on vient ajouter le maple spread maison. On en met, là. C'est vraiment une base de sirop d'érable qu'on vient lier avec un petit peu de fécule. On rajoute un petit peu de crème. On laisse réduire. On refroidit. Et voilà, le tour est joué. Alors, petits fruits frais. Là, on fait ça comme à la maison, là. Donc, on vient ajouter un petit peu de sucre à glacer. De mettre un petit peu d'amour encore et mettre une crème fouettée maison. Voilà. Oui, c'est décadent. À part la passion, bien, c'est de s'épanouir personnellement, c'est de trouver son équilibre parce que c'est facile d'aller travailler. Comme je mentionne, il manque de personnel partout dans tous les restaurants. Fait que c'est de trouver sa place, c'est de trouver. L'endroit où est-ce qu'on va se sentir bien, parce que c'est de plus en plus important de se sentir bien, de s'épanouir dans son travail.
Donc, pour moi, c'est vraiment juste de se sentir bien, d'avoir une vie aussi en dehors du travail. C'est important de se sentir aussi à l'écoute quand on partage nos petits problèmes à travers l'entreprise. C'est de bien s'entourer puis de faire en sorte que d'avoir une belle ambiance de travail, d'avoir du fun quand tu travailles, de pouvoir aussi faire plaisir aux clients. On adore nos clients réguliers qui reviennent ici au café. Ça fait pas longtemps qu'on est ouvert. Mais il y a déjà beaucoup de clients réguliers qui reviennent. On les voit arriver de loin, on prépare déjà leurs commandes. Donc pour moi, ça, c'est comme mon petit plaisir d'arriver, d'avoir des conversations avec nos clients. Personnellement, je trouve que c'est vraiment de se trouver des petits projets communs, de faire en sorte que toute la communauté des restaurateurs se partage des projets, s'enligne vers la même direction aussi. Je pense que c'est de se serrer les coudes aussi, là. C'est de s'entraider les uns envers les autres. En restauration, on est toutes des petites bébites qui bougent, puis qui sortent de l'ordinaire, puis qui ont besoin d'être actifs, puis d'avoir les cerveaux stimulés, là. C'est ça qu'on est en train de faire, moi puis Loyane. On essaie de se trouver des projets communs avec d'autres restaurateurs. On veut partir des petits événements, puis vraiment de faire en sorte que notre communauté s'élève un peu, puis de remettre un peu de joie dans tout ce qu'on a vécu dernièrement. Donc, je nous souhaite vraiment aussi d'avoir des meilleures conditions de travail. C'est sûr qu'on est de plus en plus conscient que c'est difficile. On est de plus en plus conscient aussi que ça demande beaucoup d'énergie. Donc, de s'adapter, d'écouter notre personnel, de faire comme si c'était une famille. Quand on a commencé à parler du projet avec Marc et Loyane, on voulait vraiment que dès que le client mette le pied dans la porte, il se sente comme au chalet. Une belle bâtisse avec du bois, c'est le fun. On veut que le client se sente bien. On veut que ce soit vraiment familier là, comme service. Donc, il se présente au comptoir, on propose des trucs. On a une belle gamme de viennoiseries devant lui. Donc, c'est alléchant. On veut que les clients ils se rappellent des petits moments. On a un vieux poêle que Marc a déniché. Donc, c'est vraiment d'avoir un sentiment de retour en arrière, de sentir bien. Donc, c'est ça, un petit moment de répit pour le client qu'on veut qu'il se rappelle lors de sa visite.